Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Let's go. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vélo podcast débrief de la cinquième étape du Tour de France en direct de la Reims avec François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, je suis en direct de l'école primaire de la Reims où je me suis installé sur la table de ping-pong de la cour d'école tout simplement. Je vous mettrai une petite photo sur les réseaux sociaux, sur notamment le compte Instagram de Vélo Podcast pour vous montrer un peu où on enregistre ce soir. C'est très sympa là ici au pied des Pyrénées où donc on a eu cette arrivée à la Reims avec la victoire d'étape et la prise de pouvoir de Jay Hindley sur ce Tour de France avec Jonas Vingegaard notamment qui a distancé Tadej Pogacar. On va pas faire le podium tout de suite, juste le podium de cette étape. FP, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette cinquième étape avec l'arrivée dans la montagne ? Ouais, bah c'était très sympa comme première étape pyrénéenne, si on peut dire comme ça. C'est vrai que sur le profil, le color catégorie arrivait un peu tôt, mais au final, ça, il y a eu une grosse échappée, ça a bien écrémé dans le peloton. Et puis voilà, la dernière montée, on a vu les plus forts. Jay Hindley pour prendre le maillot jaune, il a été laissé. Alors, est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'était aussi un oubli ? Parce que c'est quand même quelqu'un de dangereux. Jay Hindley, on en parlera plus en détail après de la part de l'UAE. Mais voilà, donc une superbe étape. Je trouve il y a eu du mouvement des deux côtés, que ce soit pour le maillot du classement général. Et aussi pour la victoire d'étape. Au final, il y en a un qui fait coup double, c'est Jay Hindley qui vraiment ramasse tout et qui a profité un peu de toutes les circonstances. En fait, il a vraiment été. On va dire que la tactique de Bora a été superbe aujourd'hui en finale parce que ils ont profité à fond de ce qui s'est passé aujourd'hui, Guillaume. Ouais, on va en parler. On va revenir sur cette victoire de Jay Hindley dans quelques minutes. On va commencer comme à notre habitude, FP, mais par le podium de l'étape, ce qu'on retient de cette cinquième étape du Tour de France. Je te laisse commencer, vas-y. Bon, podium, je vais pas être, on va dire, très brillant par rapport à toi. On va voir le même. Hein. C'est Jay Hindley évidemment sur la victoire d'étape et qui fait coup double avec le maillot jaune et qui prend plusieurs secondes sur des concurrents à la troisième place. Ensuite, évidemment, sur l'attaque de Jonas Vingegaard sur Pogacar, ouais, vraiment, il a été impressionnant. Je pense qu'il est monstrueux, vraiment, ce qu'il a fait là. Son attaque a été tranchante. Même Pogacar l'a dit après, hein, il pouvait rien faire. Il a juste essayé de suivre son rythme. Et ensuite, en troisième position, moi, je voulais parler de Chouchou Godu qui, mine de rien, alors qu'on était très très pessimiste avant le Tour de France, eh bien, voilà, il fait fermer des bouches. Et il a fait une montée très solide. Et puis surtout, je trouve qu'il a fait une montée à l'expérience aussi, parce qu'on a vu des coureurs comme Carlos Rodriguez tenter de suivre Vingegaard Pogacar. Lui, il s'est retiré au bon moment, il a tenu jusque ce qu'il pouvait, je pense, et ensuite il était dans le groupe juste derrière les meilleurs. Donc très belle montée de Chouchou Godu. Et toi, ton podium? Mon podium est sensiblement le même que toi, même si je mettrai d'abord en numéro 1 la bataille Vingegaard Pogacar. Voilà, moi c'est le seul changement que j'ai entre les deux, parce que pour moi le vrai fait marquant de cette étape, c'est Jonas Vingegaard qui distance Tadej Pogacar. Même pas sur hors catégorie, hein, sur cette montée de Marie Blanc au final. Première catégorie qui est sensiblement moins dure que ce qu'on va avoir demain, notamment entre Tarbes et Cauterets. Donc pour moi, le numéro 1, c'est plutôt Vingegaard qui prend autant de temps quand même à Pogacar. Oui, il prend beaucoup de temps, hein, ça c'est vrai. Là, on est au classement général. Hein, il est deuxième à 47 secondes de Jay Hindley. Et Pogacar, lui, il est déjà à 1:40 de Jay Hindley. Donc, 53 secondes d'écart. Hein. Comment ? 53 secondes d'écart entre Vingegaard et Pogacar. Ouais. 53 secondes d'écart effectivement, et ouais, c'est déjà important, et puis surtout c'est la manière dont il l'a obtenu. On parlait beaucoup de UAE Team Emirates, moi le premier qui m'avait impressionné, hein, cette équipe lors des deux premières étapes du Pays Basque. Et bien la Jumbo Visma au final, ils ont quand même fait une très belle étape aussi en équipe avec un Sepp Kuss qui était très très fort franchement sur la dernière montée à Marie Blanc là, c'était vraiment impressionnant. Et puis ils ont fait craquer Pogacar parce qu'Adam Yates au final il a vite lâché, hein, il a lâché avec David Godu. Ouais, et puis Sepp Kuss, en fait, il nous refait ce qu'il a fait avec Primoz Roglic sur le Giro. C'est-à-dire qu'il il emmenait Roglic très loin, Roglic attaquait, et puis derrière, Sepp Kuss, il restait avec les premiers poursuivants qui arrivaient derrière. Et puis là, Sepp Kuss, il nous refait la même avec Tadej Pogacar, en restant avec Tadej Pogacar dans Marie Blanc jusqu'au sommet. Donc la réponse un peu de la Jumbo Visma. Et puis ce matin au départ à Pau, on a interrogé un petit peu notamment Mauro Gianetti, directeur sportif, patron de la UAE.
Bon, alors, c'est qui le favori aujourd'hui? Tadei, il va attaquer, comment ça va se passer? Tadei, encore un peu mal au poignet. Et puis nous, on se disait ce matin, mais c'était un peu du bluff. Ça, c'est un peu ce qu'on se disait avec, avec d'autres confrères. On se disait, oh, il est encore en train de nous faire du bluff là chez eux. Bon, mais en fait, tu te rends compte que sur l'attaque de Vingegaard, Vingegaard dépose Pogacar, mais Pogacar ne se met même pas en danseuse. Donc, est-ce que finalement, c'était pas tant du bluff que ça? Je m'interroge. Ouais, il y a aussi le manque d'entraînement. Au final, je pense qu'aujourd'hui, on n'apprend pas que Vingegaard est très fort. On apprend surtout que Pogacar n'a pas totalement récupéré de sa blessure. En fait, je pense que c'est ça aussi qui est important. Donc, parce que Vingegaard à ce niveau, moi je suis pas surpris hein, par rapport à son attaque, à tranchante, etc. Mais avant on avait Pogacar qui le suivait. Là c'était plus compliqué. Et là où on disait par rapport aux autres années qu'il fallait une équipe pour essayer de on va dire, perdre le moins de temps possible, et bien là, bon, malgré tout, Adam Yates n'a pas eu ce rôle-là aujourd'hui, en tout cas sur la montée finale à Marie-Blanc. Donc voilà, et après il y a eu le regroupement descente, et on sait que c'est toujours compliqué hein, avec des coureurs fatigués pour rattraper du temps. Et Vingegaard, il en a profité. Après, le tour est long. Je pense que c'est plutôt un premier coup dur pour Pogacar. Mais c'est pas fini la bataille. Pour moi, c'est vraiment, voilà, 53 secondes, ça paraît beaucoup quand on parle de deux coureurs comme ça. Mais finalement, quand on a vu l'an passé le jour sans de Pogacar, on se dit que Vingegaard, certes, il est fort, mais un jour sans, ça arrive sur le Tour de France et très régulièrement pour certains. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et puis Pogacar, ben voilà, ce serait mal connaître la bête que de dire que le Tour de France est terminé ce soir. On sait très bien que Pogacar, il va tout tenter jusqu'au bout, jusqu'à renverser Vingegaard. Et puis même, voilà, lui, c'est gagner ou rien en fait. C'est un peu ça. Il a déjà gagné le Tour de France, hein, Tadej Pogacar a déjà gagné deux fois le Tour de France, donc il va pas. Faudrait pas un deuxième coup de bambou demain, quoi. Faudrait vraiment que Pogacar soit prenne du temps, mais n'en perde pas beaucoup, parce que si demain il repère à nouveau 53 secondes, là on pourrait se dire que ça commence à être compliqué quand même, là plus de 2 minutes, tu vois. Mais là il en est qu'à 53 secondes, hein, et sur des étapes, on va dire, sur des profils un peu plus accidentés, Pogacar peut reprendre du temps sur Vingegaard, je trouve, tu vois. Sachant qu'en plus demain c'est une arrivée au sommet. Hein. Oui, en plus, ouais, c'est vrai. Mais demain, vu comment il est fort Vingegaard, si on s'arrête à aujourd'hui, on se dit pas que Pogacar peut battre Vingegaard. Non, mais là, franchement, vu ce qu'on, à mon avis, hein, tu vois, dans le podcast présentation du Tour, quand je t'ai dit que Vingegaard devait tester Pogacar par rapport à son état de forme, tout simplement. Voilà pourquoi j'avais dit que Vingegaard devait tester Pogacar. C'était justement pour ça. Que tu as raison. Que tu as raison, Guillaume. Vas-y, dis-le. Tu as raison, Guillaume. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup, VFP. Non, mais c'était histoire de dire que on sait très bien que Pogacar n'arrive pas à 100% au départ du Tour de France. Bon, il dit qu'il est à 70. Est-ce qu'il est vraiment à 70? Est-ce qu'il est à 69? Est-ce qu'il est à 71? Bon, on va jouer sur les mots, mais il n'est pas à 100%. Là, en attaquant aujourd'hui, en prenant du temps à Pogacar, en prenant, allez, pratiquement 50 secondes à Pogacar, bon, on sait où il en est. Demain, vu comment ça s'est passé aujourd'hui, Vingegaard, il faut qu'il retente demain. Quand tu vois comment est Pogacar maintenant, c'est maintenant qu'il faut l'attaquer. C'est maintenant qu'il faut lui prendre du temps. Donc là, c'était que Marie-Blanc. Demain, c'est Aspin, Tourmalet, arrivé, même pas à Cauterets, mais sur les hauteurs de Cauterets. Au-delà de Cauterets, il y aura 6 à 7 km qui ne seront pas simples, avec des pentes en rupture, avec des moments où il pourra attaquer Jonas Vingegaard. Ça va être une vraie montée où il va pouvoir attaquer. Tu veux dire que la Jumbo pourrait tenter un peu à le prendre à la gorge et dès le début, on va dire, l'attaquer ou affaiblir son équipe, et puis même dans le Tourmalet tenter des choses? Peut-être pas le Tourmalet. À mon avis, écrémé fortement dans le Tourmalet, oui. Parce qu'en plus, ils vont monter l'Aspin par le bon versant, entre guillemets, le versant le plus dur. Avec, il me semble, le pied, c'est à Arrête, je crois. Bon, je vais pas me tromper, mais ils vont redescendre ensuite vers Sainte-Marie de Campan et remonter avec la face Lamongie, le Tourmalet, et redescendre ensuite vers Luz Saint-Sauveur pour rattraper vers Pierrefitte Nestalas et remonter à Cauterets. Et là, ensuite à Cauterets, la première partie de la montée, elle est assez simple quand même, mais c'est après Cauterets que c'est vraiment plus dur. Je pense que là ils doivent écrémer dans le Tourmalet et puis ensuite tout tenter dans cette montée vers Camp Basque. C'est là qu'il faut reprendre du temps, parce qu'en plus tu as le Puy de Dôme dimanche, au bout d'une semaine, si tu mets Pogacar à 1:30, bon, je dis pas que c'est terminé, mais ça sera dur à se relever moralement et physiquement, je pense, tu as raison. Exactement, donc c'est pour ça, il faut en profiter. Pogacar n'est pas à 100%, c'est maintenant. Je suis en train de taper du poing sur la table des ping-pong, mais comme elle est en béton, ça ne s'entend pas dans le micro. Mais non, c'est maintenant qu'il faut l'avoir. Bon, il y en a un qui est grand gagnant de cette étape aussi, parce qu'on a bien fait le duo Vingegaard de Pogacar, mais quand même l'homme du jour, c'est l'Australien Jay Hindley, hein, ancien vainqueur du Giro 2020, qui est un coureur
que c'est son premier Tour de France, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu sur le Tour, mais ceux qui suivent le vélo, hein, en dehors... Il était plutôt attendu sur le Tour. Il est plutôt attendu et il confirme. Et puis là, il était assez malin. Il va dans l'échappée. Alors, on en a parlé brièvement hier. La plupart des coureurs qu'on a cités sont dedans, d'ailleurs, au passage. Hein. T'as vu, on en a quand même cité pas mal. Il était 36. Là, je t'avais parlé de Félix Gall, quand même. C'est vrai, tout à fait. J'y avais pas cru, mais tu avais raison. Aussi, Guillaume, dis donc deux fois que je dis ça. Merci, c'est gentil. Oh là là. Mais à un moment donné, je vais devoir te dire que t'as raison, quand même. C'est vrai. Moi, j'avais dit à la Philippe hier aussi. C'était pas un gros risque, mais effectivement, tu as raison. Tu as raison, François Pierre. Non, mais pour revenir là-dessus, c'est que, en fait, j'ai pas trop compris. C'est vrai, l'UAE. Alors, Jay Hindley, je dis pas qu'il est menace pour Pogacar, Vingegaard, évidemment, mais lui laisser autant de temps à un moment donné, je me suis dit quand même, c'est prendre des risques parce que Hindley, c'est pas le gars non plus, tu vas lui reprendre 3-4 minutes facile, quoi. Il a gagné un Tour d'Italie à la pédale, Jay Hindley, quand même, faut pas l'oublier. Exactement, donc voilà, donc là il a déjà 47 secondes sur Vingegaard. Là, je pense qu'il a porté de tir de Vingegaard, donc pas trop de risques, mais bon, même un Pogacar, une 40, et pour les autres, surtout pour le podium, il a fait un gros écart. Hein. Godu, Rodriguez, on peut citer qui, allez, Simon Yates, Skelmoseux, ils sont déjà à 1,56, 1,40, 1,34 pour certains, il y a aussi Ciccone, Hindley. Il faudra pas l'oublier, Joe Ciccone, quand même, parce que lui, il s'est intercalé là quand même, il a 1,03, ouais, troisième du général. Faut voir les rôles. Il peut rester dans ce top 5 du général encore très longtemps. On se rappelle qu'il avait tout misé sur le Tour d'Italie cette année, qu'il n'a pas pu prendre le grand départ du Tour d'Italie cette année. Le grand départ, c'était chez lui en plus. Donc là, il arrive frais sur le Tour de France. Attention à lui. Ouais, puis bon, après, a priori, il devrait rouler pour Skelmoseux. A priori, hein, mais tu as raison, on sait jamais, hein, parfois ça peut changer. À voir qui mais sera voilà, donc, le, moi, je trouve le mieux placé. Ouais, mais en tout cas, Jay Hindley, pour la troisième place, pour aller lui chercher ces 1,40, pareil, hein, va falloir qu'il ait un gros jour sans pour y aller, hein, parce que voilà, ça va être pas simple. À voir demain, encore une fois, sur son étape, c'est très bien joué de la part de la Bora. Il y a plusieurs coureurs avec eux, donc il met pas un coup de pédale dans l'échappée de 36. Ensuite, il est super bien emmené par H2R. Alors, je comprends la tactique, mais mine de rien, Félix Gall, il aurait pu être méfié un peu plus que ça de Jay Hindley, même si Félix Gall fait une très belle course, hein, l'Autriche. Alors je vais te couper, parce que quand tu vois Félix Gall attaquer dans le col de Soudette où il dépose tout le monde, à mon avis, c'est là que la tactique AG2R, à mon avis, la prise de conscience et la prise de confiance d'AG2R pour travailler et vraiment prendre le destin de l'échapper en main, à mon avis, c'est là que le changement est, parce que Félix Gall, il enrhume tout le monde dans le Soudette, et puis quand tu arrives dans Marie-Blanc, qui sont plus que deux ensuite avec Jay Hindley, donc il doit se dire aujourd'hui, c'est pour moi, quoi. Parce que Jay Hindley, sur l'attaque de Félix Gall dans le col hors catégorie du Soudette, il est relégué. Bon, après, le problème, c'est que Félix Gall, il descend comme une porte de prison, il ne sait pas tourner, c'est compliqué. Non, c'est triste, hein, mais c'est vrai, ce coureur, quand même, c'est un mystère. Quand tu vois son niveau en montagne et cette descente, comment il l'a fait, les chronos, on se souvient au Tour de Suisse, c'est vraiment dommage, hein, parce que pareil, ça aurait Il va au décolle, il prend la voiture, il descend après, FP. Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui. C'est vrai, c'est vraiment à quoi ça sert de descendre l'école quand il faut les grimper? Ah ouais, non, ça c'est clair. Pas perdre du temps, du coup. Je vais revenir sur ce que tu dis par rapport à Jay Hindley, parce que c'est aussi une prise de risque, hein, de la part des équipes d'avoir laissé un mec comme Jay Hindley dans l'échappée, parce que Jay Hindley, au départ de cette étape-là, faut quand même pas oublier qu'il était au général, tu sais, dans ces coureurs qui étaient à 22 secondes, ce peloton de poursuivants à 22 secondes, il était 7e du général à 22 secondes d'Adam Yates au départ ce matin. Voilà, c'est comme si tu laissais partir un Skelmoseux ou un David Godu ou un Mikel Landa dans l'échappée aujourd'hui. Et donc Jay Hindley, il a réussi à s'y glisser. Il y a une grosse bataille pour que l'échappée se dessine. Il a réussi à y être. Et franchement, j'étais plutôt étonné de le voir. Hein. Journée parfaite pour la Bora, hein, finalement. Ouais, vraiment, clairement. Parce qu'aussi, on oublie, il place Bourgmann, l'Allemand, aussi 4e du général, hein, qui était dans l'échappée avec Jay Hindley. Hein. Et lui, on n'en parle pas, mais c'est un ancien 4e du Tour de France en 2019, juste devant Alaphilippe. C'est un coureur qui s'est un peu perdu depuis sa 4e place sur le Tour, et qui depuis quelques mois revient bien. Emmanuel Bourgmann est en confiance, champion d'Allemagne il y a quelques jours. Et là, il arrive sur le Tour plein de confiance. C'est pas lui le leader, c'est Jay Hindley. Je pense que tout va bien du côté de Bora, vraiment. D'ailleurs, il y a le directeur sportif, le boss, hein, de la Bora, Ralf Denk, qui est à retrouver en interview à la fin de ce podcast qu'on a pu enregistrer tout à l'heure, après l'arrivée ici à la Reims. Donc vous pourrez l'avoir en interview, tout comme
Jonas Vingegaard. Et oui, on l'a eu dans Vélo Podcast, Jonas Vingegaard, qui s'est exprimé. Alors, pas qu'à Vélo Podcast, hein, on va pas, non plus la péter. Il y avait une cohue de journalistes devant lui, c'était la guerre pour avoir un micro devant sa bouche. Mais voilà, il est dans Vélo Podcast, vous pourrez entendre sa réaction. On va vous faire une petite traduction, vous inquiétez pas, il est en anglais, on va vous faire une petite trad. On a une transition parfaite puisque tu as eu aussi Chouchou Godu en interview. Exactement. Revenons sur Chouchou Godu parce que c'est notre point 3 chacun du podium. Chouchou Godu, c'est vrai que là, quand on voit sa montée à Marie-Blanc, ça nous rassure quand même parce qu'il a tenu longtemps avec les meilleurs et il a réussi à gérer. Et on sentait que, moi, je sais pas ce que tu as trouvé dans cette montée. Quand il roule, déjà, il prend les choses en main d'une part, mais surtout, il gère bien sa montée. Tu as l'impression que vraiment, il sait de quoi il est capable, un peu comme l'an passé. Mais je trouve que là, il gagne presque en maturité quand tu vois un Carlos Rodriguez devant lui qui explose quand même face à Pogacar et puis Vingegaard. Godu, il monte au train, il le rattrape assez facilement avec dans sa roue des coureurs, je crois que c'était Adam Yates et Simon Yates. C'était les deux Yates qui étaient dans sa roue. Exactement. Et donc voilà, je suis plutôt optimiste à voir demain, à confirmer demain. Mais voilà, Chouchou Godu, joli début de Tour de France. Ouais, une montée en puissance. C'est un peu ce que nous avait dit Marc Madiot aussi. Et c'est un peu ce qu'a dit David Godu, que vous pourrez écouter dans quelques minutes à la fin de ce podcast. Une bonne montée en puissance. Il gère bien ses efforts. Je pense que le Tour de France de l'année dernière lui a vraiment, on va pas dire servi de leçon, mais un petit peu quand même, tu vois. Il est là, il a vu comment ça pouvait se passer, comment il pouvait aussi performer sans se mettre dans le rouge lorsque les deux fous furieux attaquent. Et au final, quand Vingegaard a attaqué, quand Pogacar était relégué avec Sepkus dans sa roue, et bien le troisième échelon derrière, alors quand Carlos Rodriguez a explosé, le troisième échelon derrière Carlos Rodriguez, juste derrière Rodriguez, et bien c'était David Godu et les deux frères Yates avec le maillot jaune Adam Yates qui n'est plus maillot jaune ce soir, et Simon Yates qui était là. C'était ça, et au final, ça veut dire que David Godu, il est présent, que à mon avis, il est bien parti pour faire au minimum un top 5 encore cette année, et que allez, si il arrive à reprendre du temps à Jane Lee d'ici allez, au moins dans les quelques jours, ça peut être intéressant dès demain. On va voir ce que ça va donner, hein. On va voir ce que ça va donner, parce que maintenant Jane Lee va plus pouvoir se placer dans les échappées. Il va falloir gérer contrôler la course aussi, hein. La Bora va devoir contrôler la course. Tu as dit le poids du maillot jaune, c'est important, et c'est des coureurs qui, il va découvrir ça, oui et non. Au Giro, il a déjà été maillot rose, évidemment. Je pense que cette équipe, elle peut contrôler un peu. Ah oui, mais attention, c'est pas facile de contrôler le Tour de France, hein. C'est tendu tout le temps. Et puis quand tu vas contrôler des coureurs comme Vingegaard et Pogacar, bon courage quand même, hein, je trouve aussi. Sincèrement, même pour la Bora, aujourd'hui, pour être au contact de ce Tour de France là depuis lundi à Bayonne, tu te rends compte quand même qu'il y a vraiment deux courses. Et que en fait, les équipes ne s'occupent même pas de Vingegaard et de Pogacar. Les équipes, elles sont là, elles font leurs courses. Puis en fait, quand Vingegaard et Pogacar décident d'attaquer, bon ben voilà, ils partent, voilà. Mais derrière, après, chacun fait sa course. Et c'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai. Donc si demain Pogacar et Vingegaard veulent se faire à la guerre encore, et que Jane Lee est décroché, bon, il va se battre pour garder son maillot jaune, hein, parce que ce soir Jane Lee compte combien d'avance sur Jonas Vingegaard? 47 secondes, grâce notamment au point bonus, aux secondes bonifications, pardon, au sommet de Marie-Blanc et au bonif à l'arrivée aujourd'hui. Il faut le rappeler. Jane Lee va défendre son maillot jaune, mais derrière, après, s'il est largué, le but va être de lisser son effort, de limiter la casse, pour ne pas non plus être enrhumé par les Yates, par les Godu, par Ciccone, qui va rester placé, tout comme Skelmose, Carlos Rodriguez, qui semble être là. On a une hiérarchie quand même qui se dégage, hein. On a l'impression, dans ce classement général, on a une vraie hiérarchie. On va dire que, allez, je suis en train de regarder ce classement général, on va dire que dans le top 10 déjà, dans ceux qui sont à moins de 2 minutes de Jane Lee, tu as déjà une vraie hiérarchie par rapport aux échelons de course. Vingegaard, Pogacar, je pense que là, voilà, avec les frères Yates et Godu. Ensuite, tu auras un petit peloton avec les frères Yates et Godu, avec Hindley, Ciccone, Skelmose, Carlos Rodriguez. Et puis là, déjà, tu es au top 10. Alors, tu as Emmanuel Bourman, à voir combien de temps il va rester là. Mais après, derrière, dans un troisième échelon, troisième ou quatrième, tu auras les Woods, Bardet, Pitcock, Landa, qui ont été un peu relégués aujourd'hui. Même si c'est un peu rentré avec Jack Egg qui est
rentrer à un moment donné. Mais d'ailleurs, bon, voilà. On peut en parler rapidement peut-être aussi de Romain Bardet aussi, avec, bon, on va mettre dans l'eau peut-être Guillaume Martin, ils perdent du temps aujourd'hui, Guillaume Martin plus que Romain Bardet. Est-ce qu'on s'attendait à mieux de leur part? Moi, au niveau de Guillaume Martin, pas vraiment, mais au niveau de Romain Bardet, c'est vrai que je suis un poil déçu sur ce type de montée. J'aurais préféré le voir en tout cas dans le groupe Godu, quoi, que un peu plus derrière, même s'ils sont bien revenus dans la descente. Je suis en train de regarder en même temps, je me refais le classement de l'étape parce que, bon, pour tout vous dire, hein, quand on est au cœur de la course, c'est vrai que derrière, après, c'est la course pour aller chercher les réactions. On n'a pas le temps de prendre du recul et de se poser. Ce podcast nous permet de se poser et de prendre du recul par rapport à ce qui vient de se passer en course. Et bah, quand je vois le classement. Romain Bardet, il finit dans le groupe avec Michael Woods, Pinot. Ouais, c'est ça, on va dire un troisième groupe. Avec Jorgensen, ouais, c'est le troisième groupe, quoi, en gros. Troisième groupe pour la 16e place où il y a Ben O'Connor et compagnie, Pidcock, Bardet, Woods, Pinot. Alaphilippe, Jorgensen, Benoît et Juan P. Lopez. Bardet est à sa place. Je pense que Bardet aujourd'hui est à sa place. Je le vois mal pouvoir aujourd'hui suivre des gars comme Godu, Rodriguez, les frères Yates. Je pense qu'il ne serait pas à sa place dans ces groupes-là. Et il va se battre pour le top 10, Romain Bardet, et puis il perdra de temps, et puis lui, peut-être dans les Alpes, il aura d'opportunités en fin de tour, peut-être pour prendre une ou deux échappées. Aujourd'hui, il est 12e du général à 2,36 de Jay Hindley, donc il y a peut-être une possibilité d'aller accrocher. Le Tour de France est très long. Le Tour de France, il y aura encore les Yaya et Pyrénées, ouais, qui se termine demain avec Cotteret. Dimanche, il y a quand même le Puy de Dôme. Ça va pas être simple, l'arrivée au Puy de Dôme, où il va être chez lui, Romain Bardet. Tu vas avoir les Alpes qui vont arriver, le Jura, les Alpes, Vosges. Bon, c'est loin d'être terminé. Il peut avoir des défaillances encore, peut avoir quelqu'un dans un jour énorme, peut avoir des écarts au général avec des gars qui sont allés à 5-10 minutes et puis qui vont pouvoir prendre des échappées à la fin pour rentrer dans le top 10, voire se rapprocher du top 5. On l'a vu sur le Tour d'Italie encore en mois de mai, ça va être encore possible. Donc là, le Tour de France, il commence à se dessiner au niveau du général. On commence à savoir qui peut jouer le podium, qui peut jouer le top 5, qui peut être assuré déjà du top 10 pratiquement, mis à part défaillance. Voilà, ça se dessine petit à petit. Et ce qu'on voit, c'est que Romain Bardet, il est pas avec les... Bon, voilà, il y a Pogacar, Vingegaard. Il est ni avec les Godu, les Yates. Il est derrière, en fait. Il est derrière Romain Bardet. Tout comme Thibaut Pinot, qui finalement n'est pas si mal que ça, quand même. Quand il sort du Giro, il termine 20e de l'étape dans ce troisième groupe. Je trouve que c'est plutôt mal de la part de Thibaut Pinot, franchement. C'est plutôt intéressant ce qu'il montre. Valentin Madouas a réussi à se glisser dans l'échappée. Et Valentin Madouas termine avec David Godu après l'avoir attendu au pied de la descente de Marie-Blanc. Pinot et Madouas sont 23e et 24e du général à 4,40 et 4,42. C'est plutôt pas mal. C'est intéressant pour Groupama FDJ qui est dans les temps. Et David Godu, vous pourrez l'entendre dans quelques minutes, il est pas effrayé par ce qui se passe en ce moment, quoi. Ouais, et puis on a un petit mot quand même dans cette échappée de 36, hein, on a eu un mouvement avec Wout Van Aert et puis Julien Alaphilippe qui était un peu juste malheureusement sur cette montée, qui était trop dur pour eux, parce que dans ces 36 coureurs on a retrouvé évidemment Jay Hindley le malin et puis Félix Gall, des grimpeurs, des purs grimpeurs, mais on a aussi retrouvé des gens qui voulaient chercher les étapes. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde à l'avant, et malheureusement c'était trop dur pour eux, hein, Wout Van Aert et Julien Alaphilippe. Même si Van Aert, je pense que c'était destiné à aider Vingegaard plus tard dans la course, Julien Alaphilippe, on voit qu'il lui manque ce petit truc malheureusement encore là cette année. Peut-être pour être le plus fort dans ces étapes de montagne, tu vois, ou même moyenne montagne. Ouais, alors c'est vrai que, bon, là encore, instant promo, vous pourrez entendre dans quelques minutes Patrick Lefévreux dans Vélo Podcast, qu'on a pu interviewer devant son camion tout à l'heure, que j'ai pu avoir. Un peu déçu du début de Tour de France de Julien Alaphilippe, il s'en est pas caché, mais il nous dit en tout cas qu'il y a une montée en puissance de la part d'Alaphilippe. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera de plus, est-ce qu'il aura d'autres opportunités plus tard? Je pense. Aujourd'hui, Julien Alaphilippe va tenter des coups dans ce Tour de France. On rappelle encore une fois que, et pour Wout Van Aert et pour Mathieu Van Der Poel qui a tenté de prendre l'échappée aussi dans les premiers kilomètres de l'étape, il y a les championnats du monde qui arrivent début août aussi à Glasgow. On rappelle qu'il y a ces championnats du monde très tôt après le Tour de France cette année. C'est pas la peine de se cramer dans toutes les étapes, mais il y a une gestion. Alaphilippe travaille pour Jakobsen, qui est quand même reparti malgré sa chute hier à Nogaro, malgré quelques brûlures, il repart. Malgré un vélo qui était complètement détruit, coupé en deux hier à Nogaro. Donc voilà, Alaphilippe, il va être là. Il va tenter des coups encore et encore, et je pense qu'on va le voir dans les prochains jours. Bon, FP, on vient de débriefer. Il y avait pas mal de choses à dire, dans cette étape-là. On vient de débriefer cette étape. Le point sur les classements, je te le fais rapidement. On en a parlé du général quand même avec Hindley, Vingegaard, Ciccone pour le top 3. Ça se tient en 1 minute 03 avec Bourman et Adam Yates derrière. Du côté des Français,
David Gaudu 10e à 1,56, Romain Bardet 12e à 2,36, Guillaume Martin 21e à 4,32 avec 10 secondes derrière Pino Madouas 23-24e, Clément Berthet 5,42, 26e et Alaphilippe 30e à 7 minutes déjà. Le classement du meilleur jeune, Tadej Pogacar qui conserve son maillot blanc pour 16 secondes devant Skelmose et Rodriguez. Tom Pidcock qui est pas très loin de Tom Pidcock à 56 secondes de Tadej Pogacar, il s'accroche hein, le Britannique quand même, il est 13e du général. Du côté de Chenios, la hiérarchie se dégage, se dessine quand même avec Carlos Rodriguez en leader, mais Pidcock qui est vraiment pas mal. Le classement par points avec Brian Cockart qui a fait les points du sprint intermédiaire aujourd'hui, ça va être à surveiller ça, mais toujours Jasper Philipsen maillot vert devant Brian Cockart et Victor Laffey. Classement de la montagne récupère aujourd'hui le maillot à poids par Félix Gall devant Joe Chicone et Jay Hindley. Classement par équipe avec toujours Jumbo Visma en tête, mais un peu plus d'écart ce soir par rapport au Ineos et au Lidl Trek, deuxième et troisième de ce classement par équipe. FP demain, attention, c'est Tarbes-Cotterêts-Camp-Basque. FP, aujourd'hui c'était l'entrée, là demain c'est un bon plat de résistance, il n'y aura même pas de dessert, vous aurez le 2 en 1. Ouais, je pense qu'on aura les 2 en 1, on peut enchaîner hein, avec 145 km hein. Donc pour demain avec le départ à Tarbes, et puis on enchaîne, on l'a dit tout à l'heure, col d'Aspin, col du Tourmalet hors catégorie et la côte, enfin Cotterêts-Camp-Basque, donc première catégorie. Ouais, a priori hein, comme tu disais hein, je pense qu'au Tourmalet on va avoir un joli écrémage et une bataille a priori sur la fin d'étape avec le Cotterêts-Camp-Basque. C'est la dernière montée qui est à 16 km à 5% de moyenne, mais comme tu l'as dit, un début de montée assez, alors je vais dire facile, pour nous non, mais pour eux oui. Et après, il y a la montée classique, hein, pour tout te dire, il y a la montée classique entre Pierrefitte Nestalas et Cotterêts, où là tu as un premier début, là, la sortie de Pierrefitte où tu as quelques pourcentages, après ça se calme, je vais pas dire que c'est plat, mais c'est du faux plat montant jusqu'à la ville de Cotterêts, où il y aura quand même, si entre ce replat et Cotterêts, il y aura des lacets avec les images, à mon avis, qui seront magnifiques, il y aura vraiment des vrais lacets sur de 400-500 mètres où là va y avoir du pourcentage, ne devrait pas y avoir d'attaque. À la sortie de ces lacets, on va redescendre et après remonter en faux plat montant jusqu'à Cotterêts. Et puis à la sortie de Cotterêts, après la traversée de la ville, eh bien ça va tourner à droite et là ça va être une rupture de pente. Tout de suite, ouais. Rupture de pente jusqu'à Camp-Basque, donc sur les hauteurs de Cotterêts, où il y a quelques mois, on avait pu, après la présentation du Tour de France, on avait pu repérer un peu le parcours. J'essaierai de vous remettre ça aussi sur les réseaux sociaux de Vélo Podcast, quelques photos un peu de ce qu'on avait pu regarder. Toi, FP, tu t'attends à quoi comme étape demain ? Moi je m'attends à ce qu'on avait dit hein, tout à l'heure, effectivement, c'est que du côté de la Jumbo Visma, on va essayer de mettre la tête sous l'eau à Pogacar pour essayer de voir ce qu'il a dans le ventre et si son équipe peut réagir et tester. Moi je pense qu'ils vont tester dans le Tourmalet, c'est-à-dire à la fin du Tourmalet, pour voir ce que ça peut donner, et puis on verra ce qui se passe après. Sinon effectivement il y aura a priori à Cotterêts-Camp-Basque, ce sera la bataille entre les leaders, et dans ce type de profil, si un Chouchou Godu tient bon face à Pogacar ou Vingegaard, mais derrière je vois bien un Chouchou Godu, c'est des pentes pour lui quoi. Du 10%, c'est pas mal pour lui, surtout la fin. Ouais. Mais pas une victoire pour Godu, hein, pardon là. Mais par contre, la victoire, voilà. Je pense que ça sera probablement une échappée. Excuse-moi. Oui. Alors toi, pour toi, c'est une échappée qui va au bout. C'est une échappée qui se dispute la victoire à Camp-Basque. Je pense. Il y a que 145 km avec un dénivelé de dingue. En 145 km, on va dire plutôt en 100 km, puisque ça va être une première partie relativement simple, entre guillemets, hein, entre Tarbes et on va dire Arro. C'est pas Arrête, c'est Arro, le pied du col d'Aspin, avec ce sprint intermédiaire juste avant à Sarrancolin. Ça va être plutôt simple. Et en 100 bornes, tu auras Aspin, Tourmalet, Cotterêts. Ouais, une petite échappée, non ? Tu vois pas ça, toi ? Non, je pense que comme la bataille va commencer dès le Tourmalet, ou en tout cas l'écrémage dès le Tourmalet, derrière, dans Camp-Basque, les derniers échappés seront repris. Et pour moi, c'est Vingegaard qui va aller l'emporter en tentant de distancer encore une fois Tadej Pogacar. D'accord, bon, écoute, ça c'est mon pronostic pour demain. J'anticipe pour demain. Guillaume, tu as raison.
Mais alors, tu sais quoi, j'anticipe pour demain, s'il y a une échappée, tu as raison. Voilà. C'était notre leitmotiv, un peu notre running gag de ce podcast. Bon, FP, je te remercie en tout cas. Merci à toi. Puis écoutez, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, exactement, Twitter et Instagram, et puis de nous suivre sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Podcast Addict. Hein, vous êtes toujours aussi nombreux, donc merci beaucoup pour le Tour de France. On sait que c'est la fête du vélo, et bien c'est la fête de Vélo Podcast également. Merci, hein, Guillaume, en tout cas, pour ce podcast aujourd'hui, encore une fois. Eh bien, je te remercie. On va arrêter de se remercier là. Allez, c'est bon, c'est bien. Non, mais c'est cool en tout cas de pouvoir suivre ce Tour de France au plus près. Suivez nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et en story sur Instagram et en réel aussi. Et puis sur Twitter, on vous met les réactions chaque matin au départ d'étape et aux arrivées, dès qu'on peut les avoir. Alors, on va avouer un truc. On a vu David Gaudu. Il y a eu un souci sur l'envoi. Donc, bon, voilà, on a eu David Gaudu. Et vous pourrez l'entendre à la fin de ce podcast. Mais il y a toutes les autres réactions qu'on a pu avoir. Patrick Lefévreux, il y a eu Yvon Le Danois aussi du côté de la Movistar qu'on a pu avoir, Jonas Vingegaard notamment. Voilà, c'était assez bien. Ravdenk aussi, le patron de la Bora, pour le nouveau maillot jaune, donc qui s'appelle Jay Hindley. Nouveau maillot jaune. Allez, ciao à tous. Et rendez-vous demain donc à l'arrivée à Cotteret. Ciao, ciao. Avec Hindley, il s'est retrouvé assez tôt dans l'échappée. Ça partait un peu dans tous les sens. Il a suivi une vague, il s'est retrouvé devant avec des équipiers. Derrière nous, ça s'est fait entre Cadors dans la montée. Donc voilà, déjà bravo. Bravo à Hindley, il a su saisir sa chance. Après, voilà, dans le groupe des favoris, je bascule troisième des favoris derrière Vingegaard et Pogacar, donc voilà, l'équipe a fait un super boulot toute la journée, je me sentais bien toute la journée, donc c'est de bon augure. Le tour reste encore très très long, c'était que la première étape de montagne, il en reste encore, on n'a pas encore fait d'arriver au sommet, donc faut rester concentré, et l'équipe fait du super boulot jusqu'à présent, donc faut continuer, et puis voilà. Oui, le plan au début était de mettre quelques gars dans l'échappée. Ouais, un, deux gars, peut-être trois, quatre. Essayer d'avoir plusieurs coureurs. Plus de gars à défendre. On pensait que c'était pas vraiment la meilleure étape pour moi. Mais au final, dans la dernière montée, j'ai eu de bonnes jambes. On essayait de se mettre à l'avant et puis j'ai essayé d'attaquer. Vous êtes surpris que Tadej Pogacar n'ait pas pu vous suivre ? Satisfait de la journée, comme vous le savez tous, on avait plutôt démarré sur le Tour de France sur la pointe des pieds. Donc non, c'est une belle journée, c'est clair que l'objectif est toujours de gagner l'étape, mais voilà, on est quand même content du podium de Félix, du maillot à poids de Félix. On a même peut-être le classement par équipe et Ben O'Connor qui revient petit à petit dans le classement général. Donc c'est plutôt une belle journée. C'était intéressant pour nous d'être à l'avant. C'était l'objectif du jour, de positionner un maximum de coureurs d'échappée pour ce double objectif qui est toujours présent, que ce soit l'étape avec l'échappée et servir de point d'appui pour Ben O'Connor. Donc c'est plutôt une belle journée pour l'équipage Bizarre Citroën. Bon, quel est le bilan sur cette journée ? C'est un bilan positif dans la manière où on a mis deux coureurs dans l'échappée. Après, voilà, on a su tout de suite que ça allait être une échappée compliquée avec Hindley et Ciccone et Gall aussi. Et on ne s'est pas trompé. Voilà, maintenant on n'a pas le droit de pas essayer. On l'a fait, il y aura des jours meilleurs, il y aura des jours avec des échappées, avec des coureurs un peu moins forts dedans. Donc on verra. C'est un bilan positif pour la première étape de montagne pour nous. C'est compliqué de prendre des échappées aujourd'hui, même sur le Tour de France, World Tour. Ils veulent tout prendre, les deux gros. Ouais, ils veulent tout prendre, mais on a vu qu'aujourd'hui ils sont pas non plus imbattables. Hein. Hindley va les mettre aussi un peu en difficulté, je pense. Il ne faut pas oublier que c'est un coureur de qualité. Aujourd'hui, il met Pogacar à 1 minute 40. Donc il y a un autre tour qui va commencer pour la bataille du général. Vous êtes réinventé, vous réinventez après l'abandon d'Henrik? Non, parce que ça faisait partie des objectifs aussi de l'équipe de gagner une étape. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'écarter, avec la qualité des coureurs qu'on a dans l'équipe, de pouvoir gagner une étape. Pour terminer, quel regard avez-vous sur cette bataille entre Pogacar et Vingegaard? Bon,
Aujourd'hui, il y a eu un écart, mais selon vous, est-ce que la bataille est terminée ou il y en aura encore d'autres? Non, non, la course, elle est terminée quand on franchit la ligne à Paris. Il y aura d'autres batailles entre eux, et pas que entre eux. Il ne faut pas écarter Hidley, il y a d'autres coureurs qui sont là aussi. Le tour est loin d'être terminé, on a fait que la première étape de montagne. Donc maintenant, il y a des coureurs qui sont intelligents et d'autres un peu moins. A big moment for us today. Ouais, c'est un grand moment pour nous aujourd'hui. Aiming for a stage win in the Tour de France 2023. Notre première victoire d'étape hein, dans ce Tour de France 2023. On l'a raté celui de l'année dernière. Jay and as well Emo Boufman. Jay et Emmanuel Bormann étaient vraiment en bonne forme. Now minimum on the podium. Maintenant, on veut au minimum être sur le podium. For sure, we will show respect to the yellow shirt. Bien sûr, on va respecter le maillot jaune et on va le défendre jusqu'au bout. Quel est le bilan de votre journée avec notamment Julien Alaphilippe à l'avant de la course? Bah, je pense que Julien était dans la bonne échappée, il a essayé. Bon, à un moment donné, il y avait des gens qui commençaient à jouer le malin, donc avec 34, c'est normal. Il y a plus de différentes tactiques qui jouent. Et puis il est allé à Wout van Aert, il a dit c'est pas mieux qu'on fait une couche. Et ils sont partis. Et bon, ils n'ont pas eu assez de. Avantage parce qu'il espérait d'embaucher le maillot de montagne, mais je pense qu'il y avait les autres comme Chicone et autres qui aussi avaient la même ambition. Bon, ça a été. Que pensez-vous de ce début de Tour de France de Julien? Première semaine, un petit peu déception, mais j'ai l'impression qu'il est en train de progresser. Quand vous voyez cette bagarre entre Tadej et Jonas Vingegaard, c'est une grande bagarre. Quel est votre avis sur cette bagarre? On a l'impression d'avoir un combat des champions. Ils sont déjà dans le combat dès le premier jour, donc on verra. On n'a même pas une semaine partie, donc on verra, c'est encore long. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'ils ont donné un coup de morale à Tadej. Mais bon, comme je dis, c'est encore long. Pour terminer, est-ce que quand on voit une bataille comme ça, on aimerait bien voir un petit Remco Evenepoel avec les deux en train de se battre? Non. Non. On a une planning et nous on reste au planning. Plus tard? Plus tard. Et il faudra donc attendre plus tard pour voir Remco Evenepoel. Donc sur le Tour de France, Patrick Lefévreux en direct sur Vélo Podcast après l'arrivée à la Reims de cette cinquième étape du Tour de France. Vous avez pu entendre dans l'ordre David Gaudu, Jonas Vingegaard, Julien Jourdi, Yvon Le Danois de chez Movistar et Ralf Denk de Labora. Avant donc, Patrick Lefévreux pour terminer. Allez, rendez-vous demain à Cotterêts.